Hello les amis! Coucou tout le monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se préparer parce que demain, il y a Tata Lise et ma maman qui vont arriver. Voilà, ils viennent pendant une semaine parce que, Inch'Allah, peut-être pour ceux qui savent, cet été, Tata Lise, Tonton Steven, Alicia et Océane vont venir vivre au Maroc. Ils ont beaucoup aimé Marrakech et du coup, ils veulent venir vivre au Maroc et à Marrakech. C'est trop bien. Ouais. Donc, Tata Lise vient pour se renseigner pour l'école des filles, tout ça, etc. Et voilà, et, en même temps, pour passer une petite semaine, Tonton Steven... Il est dégoûté parce que lui, il reste en France avec les filles parce qu'elles ont école. Dans le froid. Dans le froid et il va devoir faire à manger, tout ça, etc. Bon, en commentaire, allez sur la chaîne de Tonton Steven, pardon, et vous lui dites bon courage Tonton Steven, on sait que tu vas galérer pendant une semaine. Enfin voilà. Bon sinon, tu devais pas faire le ramadan toi aujourd'hui? Si, ouais, mais maman, après, elle m'a dit que je... Ouais, elle l'a fait, elle l'a fait hier, elle l'a fait hier déjà, une, moi, une partie. Moi aussi, j'ai fait hier. C'est vrai? Je te jure. Jusqu'au midi. Jusqu'à midi, ouais. Alors, elles vont commencer petit à petit, parce qu'il y en a beaucoup qui nous posent ces questions-là. Si vous voulez une vidéo, les filles font le ramadan pendant 24 heures, un 24 heures ramadan sur la chaîne Massilia Papa, dites-le nous aussi en commentaire. Bon, enfin voilà, bon, on va préparer tout ça. On va préparer aussi la venue de personnes qui doivent venir dans un appartement qu'on a en location à l'agence. Donc, on va vous montrer un petit peu la résidence. C'est très, très, très joli. Vraiment. Et voilà, les amis, hein, et on va vlogger, on va vous montrer le photo de ce soir, etc. Petit à petit. Voilà. Petite journée avec nous. Ouais. Les. On a laissé la décoration que les filles. Jusqu'à la fin du ramadan. Ouais, jusqu'à la fin du ramadan que les filles elles ont fait, tout ça. Voilà, ça peut vous donner des idées aussi pour faire. C'est simple et efficace. Inch'Allah, on va faire pour l'Aïd. On va changer. Pour l'Aïd, ouais, on va faire une jolie décoration, un beau truc pour l'Aïd. Bon, les amis, il y a une coupure d'électricité. Parce qu'ils sont en train de raccorder une maison dans le coin là. Donc, je suis avec ma. Clé à laine et obligé de démonter le portail pour l'ouvrir manuellement parce que vu que c'est un portail électrique eh ben on peut pas l'ouvrir si il n'y a pas d'électricité. Voilà. Ah, c'est parce que c'est une résidence qui est neuve et dans ce coin là ils font des travaux ils faisaient des travaux pour la fibre tout ça etc et voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon les amis, on est arrivé dans la résidence, regardez comme elle est bien fleurie et comme c'est joli, comme c'est propre au niveau des arbres, tout ça c'est bien taillé, c'est des résidences prestigieuses. S'il y en a qui souhaitent réserver dans ce genre de résidence, on va mettre les coordonnées de l'agence en bas, en barre de description. Vous pourrez réserver si vous voulez, vous allez voir, c'est vraiment très joli, on se sent en vacances quand on est dans ce genre de résidence. Il n'y a pas que cette résidence-là, il y en a d'autres. On va rentrer les biens au fur et à mesure. Et voilà, si ça vous intéresse, mahba. Ici, c'est déjà l'été, les amis. Aujourd'hui, plus de 30 degrés. Il fait... 38, je crois. Non, pas 38. Un peu plus de 30 degrés. Je crois qu'il fait 32, un truc comme ça. Franchement, il fait vraiment chaud et vraiment beau. Donc voilà, il y a du monde, je vais pas montrer, mais regardez la piscine, voilà, avec les parasols, la résidence. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Elle est belle la piscine. Et là-bas au fond, vous avez le golf. Donc voilà, Masmas elle a dit, elle est belle la piscine. On se sent vraiment en vacances, si vous venez là, franchement, c'est vraiment le top. Voilà, on est sur le balcon de l'appartement. Vous voyez la vue sur la piscine. Et comme c'est calme. Bon, ça les amis, c'est un deux chambres dans l'appartement où on est à l'heure actuelle. Avec une belle terrasse. Avec salon, avec la fibre, salon, salle à manger, cuisine équipée, avec la vaisselle. Il y a tout. Franchement, il y a tout. Donc voilà. Bon les amis, moi je viens de rentrer. Regardez ça un petit peu. C'est la classe. La classe, le siège du maître ou de la maîtresse. Et là, je sais pas où sont les filles.
J'ai fait quelques courses dans la chambre. Oui. De cancan. Moi, j'étais fatiguée. Maman, ouais, elle a eu un coup de bord, elle s'est reposée un petit peu. C'est le ramadan. Moi, j'ai ramené quelques petits fruits et de la menthe. Il y a le pisciniste qui est venu aussi tout à l'heure. Parce que ça faisait longtemps. Ah, là, il va y avoir le contre-jour. Il y avait quelques réglages à faire, donc on a fait venir un pisciniste. Mais après, franchement, c'est pas cher. Hein. Il est venu, il a nettoyé toute la piscine. Il nous a dit que là-bas, il y avait un truc qui fonctionnait pas, donc il fallait que je change une pièce qui coûte 310 dirhams, ça veut dire 30 euros. Et le passage du pisciniste, il est resté une heure, tout ça, c'est 110 dirhams, ça fait 10 euros. Donc voilà, et franchement, ça faisait combien, au moins 4 mois que le pisciniste n'était pas venu. Voilà, parce qu'on en avait un avant, mais là on a changé. T'es regardé, il y en a une là, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. C'est celle qu'on a trouvée dernièrement, la plus grosse, vous verrez comme elle mange. Maman, elle a acheté de la salade, hier elle lui a donné de la salade, elle a mangé une grosse salade à elle toute seule. D'ailleurs, maman, elle l'a filmé quand elle mangeait la salade. Je vais vous le mettre là, je vous le mets tout de suite. Là, je vais aller voir ce que les filles font. Et je vous mets le petit passage où c'est que la tortue mange la salade. On va aller voir les filles. Et les amis, ça fait plus de 30 minutes. Ils mangent la grosse tortue là. J'ai donné beaucoup de salade. Pour moi, à peine il y a une tortue, elle arrive et passe par là, elle va voir la salade. Mais en fait, elle est en train de manger toute la salade. Pas la style, elle la regarde bizarrement. C'est trop mignon. Regardez comment il mange, elle est immense. Coucou. Salam, qu'est-ce que vous faites? Regardez, il y a Kamkam qui a mis le maillot, qui a trempé les pieds un petit peu dans la piscine. Alors, avant... Je suis partie entière. T'es partie entière? Je te jure, elle est bonne. Avant que le pisciniste arrive? Non. Et voilà, et qu'est-ce que vous faites? C'est même pas avant, il est. Pendant que le pisciniste nettoyait la piscine. Oui. Kamkam, elle voulait jouer à la maîtresse. Et ouais, j'ai vu, il y a les cahiers de parents. Devant. Ouais. Ouais, j'ai vu. Aux parents. J'ai vu la salle de classe. Qu'est-ce qu'elle a, la curieuse? Elle est molle, elle est fatiguée, elle est morte, maman. Batterie, 3%. Hein? Oui. Ouais. Bon, c'est bientôt le ftour, les amis. Oui. Préparer à manger, maman elle est partie faire quelques courses là, elle vient de revenir. Elle a acheté des légumes. Et voilà, on est en train de faire des pommes de terre. Ouais, pendant que maman elle est partie faire les courses, moi j'ai coupé les fraises comme ça pour manger des fraises en dessert. On va rajouter les dattes, les œufs, ça c'est ce qui reste d'hier. Et là-dedans aussi, il y a des boulettes avec de la sauce tomate. C'est des restes d'hier. Hier, moi, je ne l'ai même pas vu, ça. Je ne l'ai même pas mangé. Il y a tellement de choses sur la table que... La table, ils ont mis deux. Je sais pas qu'il y a une date. Ouais, mais parce qu'elle me dit, elles sont où les dates? C'est là. Elles sont là. Ah, je crois que c'est les premiers. Mais je sais pas qu'elles sont là. Et voilà, pour le dessert, des petits pains suisses. Après, il y a des fruits. Voilà, de toute façon, ça ne sert à rien de trop mettre. Bon, les amis, on est le lendemain matin. Les filles, elles sont dans la piscine depuis au moins une demi-heure. Elles font les folles. Regardez, faire attention, la tortue elle va tomber dans la piscine. Elle joue avec une guépéline. Elle se rapproche. Qu'est-ce qu'elle fait là, la tortue? Ouais, mets-la dans l'herbe. Faut pas se suicider, petite tortue. Ouais, faut pas que... Et bien, elle saute dessus. Oh, tortue? Ouais. Ah ouais? Elle joue. Ouais, elle veut jouer. Cette grosse tortue. Tu l'as, les petites tortues, elle leur tape dedans dans la coquille. Mmh, ouais. Elle est bonne? Ouais, elle est froide. Elle est un peu froide. Elle est fraîche. Ah bah oui, il faut bouger. C'est bizarre, elle bouge. Il y a une libellule là. Elle passe à côté de Palestine. Il ne faut pas qu'elle passe trop près, sinon elle va lui mettre un coup de patte. Bon, enfin voilà. Première, regarde. T'as vu? Elle a mis un coup de patte. Ouais, elle a essayé de l'attraper. Première baignade, les amis, des filles. En hiver. Hier, comme elle s'était trempée un petit peu, mais. Elle s'est trempée entière. Mais l'eau, elle est un petit peu trouble, j'ai l'impression encore. Ouais. Ça sent pas trop le chlore? Si, parce qu'il y a du chlore. Ouais, mais faut pas trop. Mets pas la tête sous l'eau. Non, je vais pas mettre la tête sous l'eau. Ouais, mais la mets pas trop. D'accord? Ouais, parce qu'il y a du chlore et ça va piquer les yeux. Ouais, je sais pas si vous la voyez, la libellule, hop, elle se pose là-bas, là. Elle est rouge. C'est toi, quand on va dans la piscine, il y a des libellules. Ouais.
Là, c'est le matin, les amis. Il fait déjà quand même chaud. La tortue, elle veut revenir, là. Je crois qu'elle veut sauter dans la piscine. C'est une tortue de mer, peut-être. Il s'est déguisé en tortue de terre.